va avoir dans quelques mois 50 ans. D'accord. On a commencé timidement, il y a des photos ici qui reflètent l'existence de cette société. Mais à partir, après 88, sans citer, je suis au bout de hasard, des choses, on est là le 5 octobre. Hein. Après 88, il y a un changement économique, visionnaire, etc. Bon, il y a eu beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses, mais on ne va pas rentrer dans ce changement climatique. Il y a un changement des comportements d'une manière générale. Aujourd'hui, il faut sortir la nuit, il faut vivre surtout la nuit, il faut réfléchir comment réinventer l'espace urbain. On a commencé à se nous rapprocher des universités. On a commencé en janvier vers Béchar. Nous avons fait avec l'université Cloac Béchar, nous avons organisé une journée d'études. Après Béchar, nous sommes allés au CRASC. On a signé le 20 février à Oran une convention avec le centre de recherche. Et le centre de recherche uniquement, on a signé une convention pour associer les chercheurs à trouver des solutions à la ville. Réinventer la ville. Sous la thématique, une ville, une ville, ceux qui ont la chance, nous on peut contribuer. Il restera du site national, c'est des idées comme ça qu'on veut construire avec vous, améliorer avec vous, mais partir d'une idée qu'il faut enrichir, d'une idée pour l'enrichir pour aller. L'objectif, c'est quand même. Regrettable que beaucoup de gens vont utiliser parce qu'il y a plus de confort. Il y a l'Espagne, l'Ouest, avec, grâce à M. Betreff, m'a fait découvrir la région. Mais pourquoi aller passer le jour de l'an ailleurs que là, il y a des endroits magnifiques dans la montagne? C'est une histoire d'être jaloux de chacun dans sa région et pour garder. C'est ça. On a fait de la pédagogie, puisque nous avons une académie, on a fait de la pédagogie, on a un directeur d'une entreprise locale qui est venu inscrire ses deux garçons et sa fille. Anna, qu'on a formé. Maintenant, des choses, comment créer une entreprise, comment installer. Il y a des choses faciles à faire. Vous tenez un guide avec un business propre. Moi, je crois mon pays. Quel que soit le lieu, à mon âge, dès que on a fait 3300 km. Et le plus jeune final, à 61, 15 ans, même si je suis le Hassim Saoud, il y a un changement. Total. Et on découvre. Dans plusieurs secteurs. Tous les Algériens. On a tous acheté des produits chinois. Que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans l'électroménager, etc. Mais avec un peu de temps, on a tous son crédit. C'est ça, c'est la qualité. C'est la qualité. Parce que là, pour corriger, il faut apprendre. Il faut avoir l'expérience, il faut dire également. Tu as une batterie, tu as une haja, tu as un électroménager, tu as des kundas. Également, il y a des choses de facilité, après c'est etc. Mais quand aujourd'hui les choses ont changé, quand ça a changé, la vie est devenue plus compliquée. Partout dans le monde, c'est mondial, les choses ont changé, etc. On doit aller vers l'économie de tout, d'une manière générale. Et puis, l'énergie est essentielle. L'énergie est essentielle, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de la gaspiller.
La technologie a changé de même. Le mode in Germany, il était garanti 100%. Mais le mode des Chinois, il est garanti à 30%. Qui est les hasards de l'Allemagne, c'est du garanti, vous n'avez pas vérifié la qualité. Mais quand vous importez de Chine, tout est douteux. C'est possible qu'il y ait de la haute qualité. Mais pour avoir de la haute qualité, il faudrait que vos ingénieurs soient là-bas en permanence pour surveiller la production. Non, les Chinois, ils vous mettent le niveau de qualité que vous payez. Vous payez. Mais vous payez meilleure qualité. Mais même comme ça, ils trichent.